Cette aire proposée par un concessionnaire de camping-car, on va dire c'est un peu la zone. Par contre, c'est super calme. Mais, car il y a toujours un mais, le portail d'accès correspond aux horaires du concessionnaire. Il faut donc s'adapter aux horaires espagnols. En semaine, de 7h à 13h, puis de 16h à 19h. Après, c'est prison. Lleida est une ville dont l'intérêt historique est indéniable. Étape du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, la ville offre de nombreux attraits, mais sa région aussi. Elle est connue comme la ville aux deux cathédrales. L'ancienne, datant du XIIe siècle, ayant été transformée en garnison militaire au XVIIIe, est devenue un musée. Occupant une position privilégiée, cette enclave fertile a accueilli tout d'abord les Lerchettes, Ibères, au 5e siècle avant Jésus-Christ. Cette peuplade fut à l'origine de cette ville, qui passa ensuite sous la domination romaine, portant alors le nom de Lleida. Selon les historiens, la construction de la Sovella débuta en 1203 sous la direction du maître Pere de Coma à la place d'une mosquée musulmane. Dédiée à Santa Maria, l'église fut consacrée au culte en 1278. Les travaux ne s'arrêtèrent pas et au XIVe siècle, le cloître fut terminé. Toujours au XIVe, on commença les travaux de construction du clocher qui se prolongèrent jusqu'en 1431. Il a une forme basilique de croix latine avec trois nefs. De l'intérieur de l'église, on distingue aussi la sculpture des nefs qui mettent en évidence l'influence toscane, toulousaine et provençale des différents ateliers qui y travaillèrent tout au long du XIIIe siècle, ainsi que les restes de peintures murales qui correspondent à l'époque gothique. Dans la partie ouest de la cathédrale, c'est le cloître le plus singulier du pays. De forme rectangulaire, les nefs ont 5 travées avec des arcs ogivaux et de grandes fenêtres garnies d'élégants ornements. Elles donnent sur l'extérieur de la galerie sud, offrant ainsi une grande vue sur la ville et sa plaine irriguée. Le musée de l'automobile Rodin-Rodin de Lleida présente une vaste collection de voitures, de motos, de moteurs et de reproductions à l'échelle qui nous invite à faire un voyage dans le monde de l'industrie automobile à travers l'histoire. Ils nous ramènent dans le passé et nous permettent de réfléchir sur l'évolution de la technologie et les changements sociaux qui l'ont entourée.